regarde, en plus il sait. Ouais, j'ai déjà une pochette, frérot, ouvre-moi ma dinguerie et ferme ta bouche, il est en train de me dire là. Regarde bien. Regarde bien. Là déjà, boum, boum, pao. Frère, non c'est trop, frère. Et on est parti, donc c'est relique ou signature garantie. Fermín López, Andrés Iniesta, Frankie de Jong, 17 sur 50, le numéro est cool. Ouh là là, ouh là là, on est à l'ancienne ici, Albert Ferrer, je t'avoue que j'ai pas connu, hein. Je t'avoue que j'ai pas connu, mais maillot de match ici, 17 sur 50 en relique. C'est pas forcément le joueur que tu allais rechercher, je pense, mais ça reste quand même très très beau, hein, en termes de numérotation. Voilà. Voilà comment on fait une magnifique SR. Putain, pas alternate. Parallèle. Voilà, une parallèle magnifique. Donc on rappelle, hein, normalement, il y a 3 SR ici qui vont être recherchés dans une display. Alors les autres cartes n'ont pas aucune valeur, hein, c'est juste que je sors uniquement les SR pour qu'on se rende compte de la générosité de la display ou non. Voilà, par exemple, magnifique carte ici. C'est donc, pas que je me trompe, une alternate. Glaner, Mulan, Ness, Bruno et les 40 balles ici. Le Diablo qui tombe. La lampe, Robin des Bois, Géo trouve tout et la réparation de fortune. Dernier booster ici. Robin des Bois en carte légendaire aussi. Gonzalo Ramos, Bradley Barcola en gold drip, Kang In-Lee, Marco Asensio, Paris défenseur. Marquinhos avec une insert maillot porté. Let's go. Il a acheté la one of one signée de Panini. Ah mais de Panini. Et Cendrillon en carte foil. Let's go. Let's go, let's go. Voilà, ça commence à devenir cool là. Et là, that's the paquet. Ugarte, Hakimi, Papé. On s'en fout. Oh! Attaquant, s'il te plaît. Forward? Allez, dis-moi que j'ai une carte de Mbappé relique, s'il te plaît. Allez. C'est pas Mbappé, ça. 10 sur 25. Ouh, elle va faire des envieux. 10 sur 25, Gonzalo Ramos. Ça pouvait pas être la 9, non? Bernardo Silva. Oscar Bob. Jack Grealish. Oh, j'aime bien la couleur. 3 sur 50, Sean Wright Phillips. Sean Wright Phillips. 3 sur 50, c'est quand même sexy ça, hein? Oh. Wow. On a la alpha sur 25. C'est incroyable ça déjà. Alors attends, ça peut être qui ce crâne? Attends, c'est une signature alpha. Oh putain, Rivaldo. Oh, Rivaldo signé alpha. Abidal. Yaya Touré. Oh. Là, on est sur une légende d'Arsenal. Je vous rappelle qu'on sort de 3 box qui sont pas folles. Et on a une couleur rose. Alors, je ne connais pas vraiment la valeur des. C'est sur 75. 75 cartes comme celle-ci existent dans le monde. Oh. Oh là là. Oh, ce que c'est sexy. Nicolas
Anelka. Ah, ça c'est beau ça quand même. Attends, je vérifie. France, bah oui, toi tu dois kiffer ça quand même, non? Oh là 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 là, Nicolas Anelka. Qu'est-ce que c'est beau. T'as loupé aucun match? T'es un fou. Oh putain, frère. Oh, ok, vas-y, on y va. Regarde bien, frère, c'est dinguerie. C'est pas le joueur le plus fou, mais c'est une one of one, monsieur de Sergi Roberto. C'est tout. On aimerait voir quelque chose de fou. Oscar Bob, Jack Grealish. Du coup, ça serait une signature, ce qui est mieux à la base, hein, d'avoir une signature, je vous rappelle quand même. Numéroté sur 99. En carte rookie. Ça, c'est cool. Hamilton. Et ça, c'est intéressant. Parce que, ben voilà, les cartes rookie sont les plus recherchées par rapport au fait où si les mecs explosent, c'est les cartes qui vont être les plus recherchées d'eux quand ils sont apparus. Et là, tu as une carte rookie numérotée signée de Mika Hamilton. C'est plutôt pas mal. Balthazar Picsou, foil silver. Et derrière, oh là là, qu'est-ce que c'est sexy quand ça se passe comme ça! Let's go! Pokéquack, messieurs, dames, meilleure boutique, parce que regardez, cette dinguerie, Capitaine Crochet, légendaire, enchanté, ferme ta gueule. Et voilà, je vous avais dit quoi, les Trophy Packs, ça... Je trouve, d'expérience, ça tombe quand même bien plus. Une autre deuxième match, frérot, on a été nuls. Hein. On a retrouvé l'équipe de Suisse de... Oh, double triple. Non, dommage. Double légendaire ici. Ça, c'est beau, ça. Ça, on aime bien, ces boosters. Ça, c'est vrai. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'on a beaucoup de chance en ce moment? Si, si. C'est la dernière qui me manquait. Bon, je l'ai eu depuis. Hein. C'est comme une TB, non? Oui, ça ressemble à une ETB, ouais. Exactement. Eh ben voilà. Ça, c'est du remboursement, je reconnais. Diablo! La carte légendaire la plus recherchée du set, parce qu'apparemment, elle est bien fumée dans le jeu.